Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors je fais l'intro juste là maintenant parce que j'avais pas eu le temps de la faire avant la rando. On se retrouve pour une vidéo d'une sortie d'une centaine de kilomètres avec Damien Jdams qui avait récupéré la trace, Manu et Alex. Et on voulait offrir à Manu son premier 100 km. On avait gardé ça un petit peu secret, on en avait parlé juste avec Damien. Mais par contre, voilà, on voulait le faire. Et vous allez voir que ça n'a pas été simple pour moi parce qu'au détour d'une petite chute complètement dans les orties, je me retrouve brûlé de la tête aux pieds. Alors vous ne verrez pas la chute parce que ça filmait pas à ce moment-là. Mais par contre, vous allez commencer à m'entendre râler et je suis obligé de couper des moments parce que c'est un petit peu indécent. Et finalement, j'ai galéré pendant 60 km. Bref, ce fut une belle sortie quand même avec les copains. C'est toujours appréciable d'être avec les copains. Et puis voilà, donc en route pour la vidéo. Allez, merci, à toutes. Normalement, on fait bronzette aujourd'hui. C'est ça? Ouais. On s'en va rejoindre la Dole. C'est un circuit que Damien a piqué, je sais plus à qui. Une centaine de kilomètres normalement. Si tout va bien. On verra bien, en fonction des trottes formes, si on coupe ou si on continue. On sera cool. Bon. On va pas faire des miracles de performance aujourd'hui, c'est pas le but. Le but c'est du training. Bon, moi je vais faire une petite pichoute. Ton jus d'orange, je sais pas ce que t'as mis dedans, mais. Allez. Par contre, je crois que j'aurais pas dû mettre le maillot en dessous. Je te l'ai dit ce matin. Putain le bordel. Ouais. T'es pas invité toi, allez hop. La harpe. Faire des jeux interdits encore hein. Parce que là c'est mal barré. Je suis équipé. Dès que je traverse ce portique, c'est marqué. Ouais, il nous emmène à Venise ou quoi là? Enfin, les vénusiennes sont pas belles. Faut un tueur. C'est le remède. Avec cet tablier bleu. À l'ancienne. On n'est jamais venu par ici. Ah bien, il me dit suivez le guide, suivez le guide. Ouais, suivez le guide, mais c'est bien ça qui m'inquiète. C'est que c'est lui le guide. Regarde Manu comme c'est beau. Ouais. Une petite famille. On dirait Jaco. Ouais. Il est où le bonhomme là-dedans? Damien il est sous l'eau en fait. Cool. Bon Damien, tu me payes un tour en gondole? Regarde, il y a des gondoles là. Bon allez quoi? Est-ce les gondoles à Douai? Ouais. Ouais. Regarde, franchement, hein? On est bien là. On est bien là. C'est tout bon. Ouais. Quand tu rattrapes tout droit, tu rattrapes pour chez l'autre. C'est ça. Ouais, exactement. Ça. Ouais. Et puis là, on va vers l'Andre-les-Douai. C'est le parc Van Schelten. C'est ça. Il y a mon fils. Rien, on tourne à droite, on tourne à gauche, on revient à droite, on repart à gauche, on passe au milieu. Finalement, on est tout dit le long de ce canal. Alors, je
comprends rien du tout. Ouais, oh, du grillage. Bon, c'est joli, hein. C'est joli. C'est chouettos, ça. Ça va, là, ça avait moins l'air que l'autre. Non, ça va, je suis pas tombé fort, mais... Là, c'était pire, parce qu'il y avait la parvente. C'est bon, je suis réveillé. Oh, putain, la vache. Et quoi? Ah oh, putain, ça brûle. Ah bah non, non, non. Ah. Là, c'est du sang, elle va être... Ah ouais. À mon avis, tu vas être bien mise à l'autre. Et quoi? Bah ça me brûle, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, bon, bah attention, il y a une ornière. Ah bah là je douille. Hein. Ouais, mais là je suis en train de douiller, je te le dis. Ça brûle partout, putain. Ah, je suis en train de douiller. Non, non, c'est bon. Ah, je sais pas. Il y en a. Ah, putain. Il y a un bras. Ah, même le bras. Même là, et tout. Enfin. Ouais. Ah ouais, c'est le kayak. Tu vois? Je déguste. Là, tu peux être blanc. Bien. Là, ça, là, t'as, là, c'est au maximum du... Bien. Non, non, ça va. Là. Qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait rien. Il n'y a personne qui m'a relevé, j'ai dû m'appuyer pour aller sur les orties en plus pour me relever. J'ai plus été un bande d'enfoirés. Moi je voulais pas rentrer dans les orties. Hein. Bon, on a tartiné un peu, c'est bien. À droite, là, où là? Ouais, tu nous emmènes où, frère?
Ouais, tu ne... Mais ça, c'est mes lunettes. J'évalue mal la distance à droite. Bon, alors, il y a quoi? Hein? Ouais, bien sûr, on va descendre. On est reparti. On a croisé Denis, qui fait le raid avec nous bientôt. Donc c'est bien, c'est cool, ça fait plaisir. Toujours le long de la rivière Kouai, je sais pas du tout où on est. C'est Damien qui a le GPS. Hein. Oh. J'étais pas en config grimpette aujourd'hui, moi. Fais mal, hein? Rôle un cours. Ah. Bon, elle a fait mal, la petite bosse, là. Hein. J'étais là, hein. J'étais là. Je vais m'en sortir avec des parelles, je vous jure. Heureusement qu'on roque de pas, il y a des flèches, hein, qu'on doit pas suivre un GPS. Putain, les grandes plaines dans le vent, là, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Le vent, il nous a bien cramé, là. Le vent, il nous a cramé, là. On est à Vimy. Les sessions vont dans le nez là. Vont un peu casser. Alors je reste à mon rythme. Mais le prochain ravito va me faire beaucoup de bien. J'ai besoin de couper un peu. Tu te souviens l'autre jour quand on est passé? J'étais plus loin. Non mais la galère que c'était ici, regarde. Là, il n'y a plus rien. Mais... Franchement, rien à voir. Nous voulons à l'orette. Hein. Comme s'il y avait longtemps qu'on n'était pas venu. Après les raids, je veux plus les voir ces routes. Bienvenue chez... Bon, qui c'est qui a commandé la bière là? Ouais, c'est pas le tout de monter en avant, hein, c'est qu'il faut commander les biens. Je dis 33. Et là, vous passez dans le parking, et les raccourcis pour aller à la bière, ça, vous savez le faire. Là, vous avez coupé là le parking et tout. Hein. Putain, mais regardez ce que j'ai envie de bouffer, là. Quoi? Bosseau, là. Ça va des armes. Mais c'est bon, c'est du houblon pur. Je trouve que quand on en boit deux, la reprise elle est plus facile. Parce qu'on se rend pas compte. Là on se rend encore compte, tu vois. Donc ça rend pas quoi en fait. Mon petit pétro. Il est là mon petit pétro, mon petit chouchou. Ils veulent pas s'arrêter pour te dire bonjour. Hein. Oh, c'est des chiants. Hein.
On est à 80 km. Ça commence à être dur quand même. Hein. Ça fait 10 km qu'ils disent qu'ils sont morts. Mais... ils en donfent. Mais j'ai un peu plus. Oh. Deux écoles. Voilà. L'école qui boule, l'école qui boule. Hé, toi, tu m'avais enflammé. Bah ouais, j'ai vu. Ah ouais, tu t'enflammes souvent toi aussi. Bah non, mais je croyais qu'on allait prendre le lot, on dirait. Bon, les copains sont devant, 85 km. Moi, je commence à être cuit. Hein. J'ai encore un peu de ressources, mais je vais essayer de la garder jusqu'au bout. Je me méfie, manque de lucidité, je suis déjà tombé tout à l'heure pour une connerie. Alors, je me méfie. Bon, on a pris le relais, hein, Alex, parce que... Fatigue, hein. Ouais. Service après-vente des GPS. Hein, parce que... Stade couvert de Liévin. Je ne sais absolument pas ce qu'on fout là. Mais je crois que sinon on n'aura pas les 100. Alors, Damien est en train de nous faire faire des tours et des ratatours. Et des ratatours. Donc, pour qu'on ait les 100. Mais pourquoi vous accélérez? Parce que ça se taquine, tu vois, sans m'en donner rien, tu fais ça. Non, mais... faut que chasser, hein. Puis après, il n'y a plus personne dans le côte, il... ça sert à rien. Oh! Regarde, expérience sociale. Ils savent jamais rouler à la même allure. C'est terrible, hein. Regarde l'expérience sociale. Je vais essayer d'accélérer pour que ça soit tes deux, tu vois. Ah bah ouais, ça c'est certain. Il y a quelle heure, Jacques, quoi? Tu nous excuseras, on a faim. T'as faim ou t'as faim? Les deux. Souché. Enfin, je crois. Ouais, ça doit être ça. Oh, tu m'as dit que ça montait plus. T'as été pire qu'Amandine, toi. Ça monte plus, me dit. Finalement, c'était pas bon. Alors, faut aller où, là? Au lieu de m'avoir fait monter pour rien. Putain, non mais... où, à droite, là? Bah, c'est pas par ici qu'on passe d'habitude. Attention. Et là, on va à droite. Et ouais, les gars, tout dans la gestion. Ouais, je le sais. J'ai plus de vitesse. Ils ne savent pas que j'ai mal aux jambes là, à 96 km. Oh, pas déconner, merde. Des enfants, vous êtes des enfants. Ouais. Tu crois que je vais monter chez un vélo, Ti? Ah. Merci, j'aime bien quand tu me dis ça. 99 km, je n'en peux plus. Je n'ai plus de jus. Là, je suis mort chez moi. En plus, ils commencent à dracher. Pourquoi ils drachent? Ils n'avaient pas annoncé de pluie aujourd'hui. Ah ouais. Et j'ai commencé à avoir mal au crâne, en fait. Allez, bien joué, les copains. On va finir un petit 105 km. J'en ai assez. Entre ma chute qui m'a bien pompé et l'énergie. 100,6. T'es content, hein? Ah putain, ouais. Voilà, ton premier 100. C'est bon, hein.
Bah pourquoi? Il n'a fait. Non, 100. Mais non. Bon voilà les copains, allez. 100, moi j'ai 105. 104,5. 105 quoi. Bah c'est bien. Une belle journée. Dommage qu'on finisse avec la grisaille quand même. Mais j'irai le cul, il est temps que je m'arrête. Et tu me prépares une grande bouteille d'eau, Damien, s'il te plaît. Ah ouais ouais, parce que là j'ai soif, ça fait 10 km que les bidons sont vides, j'en peux plus. Allez, sur ce les copains, à la semaine prochaine, ciao ciao.